Vous savez, moi, je me suis intéressé à la banlieue. Et j'ai constaté une chose en banlieue. Il y avait une discrimination qui se jouait à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous soyez noir, arabe ou d'ascendance européenne, vous étiez victime d'une discrimination. Mais cette discrimination, c'était une discrimination liée à l'endroit où vous habitiez. C'est-à-dire que des blancs me disaient que quand je dis que j'habite à Garches-Arcelles, je ne suis pas recruté. Vous voyez, personne n'en parle de ça. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Personne n'en parle. Mais tout le monde sait qu'en France, il y a un racisme de caste. C'est-à-dire au-delà du racisme de couleur, il y a le racisme de caste. Entre blancs, il y a un racisme de caste. C'est-à-dire que quand votre enfant est issu du monde ouvrier et que vous voulez faire un stage dans un cabinet juridique, on vous fait comprendre que vous ne faites pas partie de l'équipe de football. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, s'il faut soulever ces dossiers-là, qui sont des dossiers que nous avons vus, parce qu'il y a quand même des projets gouvernementaux sur lesquels je me suis penché, et j'ai vu véritablement ce racisme anti-blanc, entre blancs, il faut, je pense mais qu'il serait même... plus le blanc donc qui pratiquerait c'est-à-dire que le racisme sur d'autres je blancs. Je vais vous dire une chose, vous savez très bien qu'entre blancs, il y a un racisme de caste. Ils sont très conservateurs et chacun a son équipe. Et les gens jouent contre les autres. Et c'est quand même bizarre, parce que c'est quand même ce racisme-là qui fait plus de dégâts au niveau notamment, parce qu'on vous dit que tous les blancs quittent la banlieue. Pourquoi tous les blancs quittent la banlieue? Ils ne quittent pas la banlieue parce qu'ils vivent le racisme, c'est parce que justement, quand ils ont acquis un niveau de compétence, en mettant cette adresse-là, parce que moi je peux raconter tout ce que les gens m'ont dit, hein, le jour où j'ai été dans le cadre d'une commission, écouter ces gens parler sur la discrimination et le racisme qu'ils vivaient, obligés de s'inventer des adresses dans des arrondissements de Paris pour pouvoir avoir droit à des entretiens d'embauche. Et ça, personne n'en parle. Vous voyez ce que je voulais par là? Donc il faut faire très attention quand on soulève ce genre de dossier, parce que nous sommes des hommes de terrain. Nous ne sommes pas des hommes où on a assisté aux choses à la télévision. Moi, j'étais sur le terrain. Les gens, j'ai discuté avec eux. Quand il y avait des réunions gouvernementales, j'étais présent. Vous voyez ce que je veux dire par là? J'ai discuté beaucoup, je vous le dis, avec des chefs d'État, avec des gens du gouvernement, des chefs de cabinet. Nous avions une organisation à Paris pour cela. Vous voyez, beaucoup de gens le savent très bien. Nous avions une organisation avec laquelle nous discutions de ce genre de sujet. Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'effectivement, les gens qui étaient d'ascendance européenne quittaient la banlieue. C'était pas un problème spécialement de racisme anti-blanc. C'était un problème de blanc entre blancs qui ne faisait pas partie, qui considéraient qu'ils ne faisaient pas partie de la même caste.